Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose de commencer dès à présent ce premier temps d'accueil et d'information des fonctionnaires stagiaires du second degré, des fonctionnaires stagiaires du second degré et des fonctionnaires stagiaires CPE. Je voudrais dès à présent vous souhaiter la bienvenue au nom de toute l'équipe de direction de l'INSP de l'Académie de Lille Hauts-de-France, dont un certain nombre de représentants sont ici présents. Donc bienvenue à vous. Heureuse de vous accueillir cet après-midi et bien entendu ravie, alors on attend les derniers, à la fois de pouvoir répondre à ces questions. Alors nous aurons une intervention à deux voix. Je suis avec ma collègue Danielle Dubois qui est responsable de la formation des fonctionnaires stagiaires et donc l'objectif de ce premier temps d'information et d'accueil, c'est de répondre, enfin déjà de vous présenter les éléments concernant la formation que vous devrez suivre cette année et de répondre évidemment aux questions que vous vous posez. Alors tout d'abord et avant toute chose, je voudrais, et au nom de l'équipe de direction de l'INSP, vous dire bravo, vous féliciter pour la réussite que vous venez de, dont vous venez de faire preuve au concours que vous avez passé, que ce soit le concours, un CAPES ou un CAPLP ou le concours de CPE. Donc bravo à vous, vous venez de réussir un concours difficile et en même temps vous avez fait le choix d'entrer dans une profession qui porte beaucoup d'enjeux et qui aussi, je l'espère, sera passionnante, hein, que vous ne regretterez pas, je pense, le choix que vous avez fait et qui vous permettra d'évoluer tout au long de votre carrière et de rencontrer des situations qui vont vous permettre de trouver votre métier passionnant. Donc j'espère que vous avez bien fêté cette réussite et que vous arrivez en forme pour cette rentrée, puisque cette année qui s'offre à vous est particulièrement importante. C'est une année de fonctionnaire stagiaire, ça veut dire que vous allez tout au long de l'année à la fois être en stage, en responsabilité en établissement scolaire, et puis aussi être en formation à l'INSP pour compléter les compétences professionnelles dont vous devez faire preuve pour être titularisé à la fin de cette année et devenir un enseignant ou un CPE à part entière à partir de l'année prochaine. Donc c'est vrai que c'est une année peut-être un peu complexe, néanmoins passionnante. Vous allez pour la première fois faire une rentrée non plus en tant qu'élève, en tant qu'étudiant, mais en tant que professionnel. Et je dirais que cette première fois, c'est quelque chose qui souvent on garde en mémoire, hein, puisque cette première fois, ben, vous en aurez d'autres premières fois, hein, d'autres rentrées tout au long de votre carrière. Mais la première, c'est quand même la plus, exceptionnelle, hein, et on s'en souvient très longtemps. Alors, j'imagine que vous arrivez avec des questions, peut-être des angoisses concernant l'organisation de cette année. On va essayer d'y répondre le mieux que nous pourrons. C'est un premier temps, hein, cette réunion. Vous avez d'autres temps d'accueil et d'information demain déjà, et puis en début de semaine. Demain, vous êtes attendu dans les lycées de la métropole et en principe, vous allez rencontrer l'inspecteur de votre discipline, hein, et puis peut-être des formateurs ou des tuteurs. Lundi, vous devez aller dans votre établissement rencontrer votre chef d'établissement, et puis mardi, vous aurez de nouveau un accueil institutionnel, et là, vous entendrez et vous aurez la chance, hein, d'entendre à la fois ce que Madame le recteur, ce que les inspecteurs attendent de vous, hein, d'un point de vue, je dirais, politique, stratégie, de professionnel, et ce que ces différents acteurs attendent des enseignants qui s'engagent cette année dès la rentrée auprès des élèves de l'Académie de Lille. Donc, pour aujourd'hui, donc moi je vous propose des éléments de cadrage généraux et puis Madame Dubois vous donnera ensuite des éléments de cadrage plus précis sur cette année, ce mi-temps de formation que vous allez suivre au sein de l'INSP.
Alors, l'INSP, l'Institut national supérieur de l'éducation, a été créé, enfin, les INSP ont été créés en 2020 avec pour finalité de mettre en œuvre la formation initiale des futurs enseignants et des futurs CPE, notamment au travers du Master MEF, mais aussi la formation des fonctionnaires stagiaires. Alors, l'INSP dans l'Académie de l'Île-de-France, c'est un seul établissement qui comprend 6 sites de formation. Donc ici, vous avez le site de formation de Villeneuve-d'Ascq, mais vous avez aussi dans le département du Nord le site de formation de Valenciennes, de Gravelines, de Douai, et puis j'ai fait le tour, oui, et puis dans le Pas-de-Calais, vous avez le site de formation d'Outreau et d'Arras. Alors, pour vous rassurer, votre formation aura lieu dans un site bien identifié, hein, que vous, peut-être que vous connaissez déjà ou que vous, vous connaîtrez très prochainement. Je pense qu'effectivement c'est indiqué dans, dans le slide. Nous aurons 2 sites de formation à destination des fonctionnaires stagiaires du second degré. Le site d'Arras, hein, où il y aura 2 groupes de formation, et le site de Villeneuve-d'Ascq, où nous aurons 3 ou 4 groupes de formation. Les fonctionnaires stagiaires CPE auront leur formation qui se déroulera sur le site de Villeneuve-d'Ascq. Pour les autres fonctionnaires stagiaires, vous aurez votre affectation qui sera décidée en fonction de votre terrain de stage. Donc, si vous êtes plutôt dans les bassins, aux alentours d'Arras, vous serez affecté comme stagiaire en formation sur le site d'Arras, et au contraire pour les autres bassins, plutôt sur Villeneuve-d'Ascq. Donc, votre formation, c'est une formation en alternance. Vous avez des jours qui sont dédiés à votre stage en établissement scolaire. Alors, selon votre discipline, mais quasiment pour tous les fonctionnaires stagiaires, sauf ceux de PS, vous serez en stage en établissement les lundis et les vendredis. Et les mardis, pardon, lundi, mardi, vendredi. Et en formation de fait les mercredis, jeudi. Les fonctionnaires stagiaires en EPS auront leur formation uniquement les mardis et jeudis, hein, et pourront être en établissement les lundis, les mercredis et les vendredis. Voilà. Donc, en termes de répartition des contenus d'enseignement, on sera plutôt les mardis pour les EPS et les mercredis pour les autres fonctionnaires stagiaires, les CPE, en formation disciplinaire le mercredi. Et le jeudi, en revanche, on privilégiera plutôt ce qu'on appelle la formation transversale, c'est-à-dire la formation sur des objets et des gestes professionnels qui ne sont pas strictement de l'enseignement de la discipline, mais la gestion de classe, le travail sur les valeurs de la République, l'école inclusive, etc. Alors, cette année, la formation des fonctionnaires stagiaires est répartie en 2 DIU, en 2 diplômes interuniversitaires. Donc, le premier DIU s'intitule « Entrée dans le métier ». C'est en principe dans ce DIU que vous êtes inscrit, puisque vous êtes là aujourd'hui. Et vous êtes inscrit dans ce DIU parce que vous êtes dans la situation suivante. Donc, il y a 5 possibilités qui font que vous êtes inscrit dans ce DIU entrée dans le métier. Et en fonction, évidemment, de votre cursus antérieur et votre parcours antérieur au concours que vous avez passé, vous êtes en DIU entrée parce que vous avez un master, mais un master qui n'est pas un master MEF ou SMEF. Donc, vous n'avez pas été formé durant votre master à la préparation au métier d'enseignant ou de CPE. Vous êtes en parcours entrée. Si vous avez été dispensé de titre, parce que vous êtes parent de 3 enfants ou plus, ou sportif de haut niveau. Vous êtes également en parcours entrée si vous êtes détaché d'un autre corps de la fonction publique. Donc, si vous avez été par ailleurs, vous avez exercé une autre profession tout en étant fonctionnaire,
Vous êtes également en DU entrée si vous n'avez pas validé l'an dernier votre Master MEF et que vous avez passé le concours antérieur, c'est-à-dire que le concours 2021. Et vous êtes également en entrée, en parcours entrée, si vous avez été stagiaire mi-temps l'an dernier et que vous n'avez pas été titularisé à la fin de l'année, donc vous êtes prolongé ou renouvelé dans votre statut de fonctionnaire stagiaire. Donc si vous n'êtes pas dans une de ces situations, il faut revoir votre inscription, mais a priori, j'espère que, en principe, vous avez dû, en vous inscrivant à l'INSP, échanger sur votre situation et en fonction de ça, on a dû vous orienter correctement dans le bon parcours. Alors, donc vous êtes aujourd'hui inscrit à l'INSP, en fait, en tout cas, on l'espère, cette inscription elle est gratuite et elle est obligatoire, sinon on ne pourra pas vous délivrer le diplôme interuniversitaire dans lequel vous êtes censé être inscrit et vous ne pourrez pas suivre chez nous cette formation. Donc pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, il vous reste un petit délai. Vous devez vous inscrire de toute urgence, donc d'ici demain en fin de journée, si possible. Cette inscription se fait en ligne, c'est assez simple. Vous avez à télécharger un dossier, à le remplir et à le renvoyer. Donc en principe, pas de souci, pas de difficultés particulières à cette inscription. Donc n'hésitez pas à vous précipiter pour finaliser votre inscription. Alors cette inscription, elle n'est pas juste pour nous faire plaisir à l'INSP, elle est nécessaire parce que d'une part, elle vous permet d'avoir un statut d'étudiant, une carte d'étudiant, mais aussi surtout, cette inscription vous permet d'avoir accès à tous nos outils de formation, tous les outils dont vous allez avoir besoin pour pouvoir suivre cette formation. Les emplois du temps, les documents divers et variés que les formateurs mettront à votre disposition pour compléter leur formation, tous les éléments de calendrier, de structuration de formation qui vous seront nécessaires pour suivre au mieux et réussir au mieux cette année de formation. Et puis surtout, le point essentiel, c'est l'accès à la messagerie. À partir du moment où vous êtes inscrit, vous pouvez valider votre adresse mail Univ Lille, qui est l'adresse mail dont nous allons nous servir toujours, sans exception, pour communiquer avec vous toutes les informations qui vous seront utiles pour votre formation. Donc, il est essentiel que vous validiez la procédure de création de votre messagerie, de votre boîte de messagerie, pour que soit générée votre adresse mail et que nous puissions ensuite communiquer aisément avec vous. Alors, quelles sont les grandes dimensions de la formation que nous allons vous proposer cette année ? Alors, tous les fonctionnaires stagiaires se voient délivrer une formation structurée de la même manière, que ce soit les fonctionnaires stagiaires mi-temps, temps plein ou premier ou second degré, avec des objectifs clairs pour nous et qui nous paraissent vraiment incontournables. Et évidemment, cette formation, elle vise à continuer le développement, continuer le renforcement de vos compétences professionnelles et notamment des compétences professionnelles qui sont inscrites dans le référentiel de formation du MEF, mais aussi surtout le référentiel de compétences des métiers de l'enseignement et de l'éducation. Ce renforcement et ce développement des compétences professionnelles, elles reposent sur les différentes dimensions du métier, que ce soit le métier d'enseignant ou de CPE, d'abord des dimensions disciplinaires et didactiques, notamment pour les enseignants. En fait, on est d'abord enseignant d'une discipline, et puis cette discipline, non seulement il faut la maîtriser, mais encore faut-il savoir l'enseigner. Une autre dimension importante du métier, vous le savez, c'est celle qui concerne la transmission des valeurs de la République aux élèves.
C'est une mission essentielle aujourd'hui de l'école de la République qui implique que les enseignants, que les CPE se conduisent comme des fonctionnaires de l'État, hein, avec une éthique et avec un certain nombre de principes de travail qui amènent évidemment un certain nombre de valeurs à transmettre et puis à actualiser dans les relations avec les élèves, mais aussi dans les relations avec les collègues, puisqu'on attend aussi des futurs professionnels leur, une capacité à travailler collectivement, à travailler en équipe. Évidemment, au-delà de ces dimensions importantes, il y a aussi la dimension essentielle de l'école de la République qui est d'être capable d'enseigner à tous les élèves, y compris aux élèves les plus en difficulté. C'est aussi ce qu'on appelle plus communément, la capacité à construire une école inclusive, pas seulement auprès des élèves qui souffrent de handicap, mais de tous les élèves. Et c'est vrai que vous allez entendre régulièrement hein, cette injonction qui doit être celle de chacun, de comment on peut encore mieux rendre inclusive l'école d'aujourd'hui et de demain. Évidemment, on travaillera également à essayer de développer vos compétences dans le domaine du numérique, hein, parce que vous savez comme moi qu'elles sont de plus en plus essentielles. Tout cela, toutes ces compétences et ces dimensions qui seront travaillées en formation, vous aurez à les actualiser, les développer avec un outil essentiel qu'on vous demandera de mettre en place, qui est la réalisation d'un portfolio de compétences. Ce portfolio de compétences que vous allez mettre en place cette année, peut-être continuer, en tout cas je l'espère, les années prochaines, doit vous permettre de faire progressivement la démonstration des progrès que vous allez manifester tout au long de cette année dans la construction de vos compétences professionnelles. Et alors évidemment, ce portfolio, il sera en lien avec les éléments de recherche hein, qui vont traverser toute la formation qui va vous être délivrée cette année et qui vont également permettre non seulement d'irriguer votre portfolio, mais aussi de pouvoir mener tout au long de cette année une démarche réflexive qui va pouvoir s'écrire, qui va pouvoir prendre la forme à la fin de cette année universitaire d'un dossier réflexif de développement professionnel. Dossier réflexif de développement professionnel qui se construira à partir de votre portfolio de compétences et de la démarche réflexive que vous allez engager dès cette rentrée. Moi, je vous conseille de commencer votre portfolio dès maintenant, avec toutes les questions que vous posez et auxquelles vous allez progressivement répondre à partir de la rentrée tout au long de cette année. Ce dossier réflexif de développement professionnel sera à rendre le 17 mai 2023. Donc, ayez cette date en tête. C'est à partir, effectivement, de ce dossier réflexif que vous allez travailler tout au long de l'année, que nos équipes de formateurs évalueront et valideront votre diplôme interuniversitaire en fin d'année universitaire. C'est l'objet, c'est cette modalité donc, qui sera l'évaluation avec l'assiduité à la formation qui sera qui vous permettra de valider cette année de formation en tant que fonctionnaire stagiaire. Bien sûr, on répondra à vos questions tout à l'heure. Voilà. Et puis, pour terminer, une dernière dimension qui est importante, et pour laquelle, tout de suite, nous vous donnons la date, hein, même si elle est très lointaine pour vous, parce qu'elle signe plutôt la fin de l'année scolaire et universitaire qui s'engage. Néanmoins, c'est un des seuls mercredis sur lesquels nous avons déjà des certitudes, c'est que une dimension importante de votre futur métier, c'est non seulement le travail en équipe, mais aussi le travail en partenariat. Et nous vous offrons, au sein de l'INSP de l'Académie de l'Île-de-France,
la possibilité de développer ses compétences du travail en partenariat en vous donnant l'occasion, en fin d'année scolaire, de rencontrer, je dirais presque l'ensemble des partenaires avec lesquels vous pourriez être amené à travailler durant votre année scolaire qui arrive, mais surtout durant toute votre carrière d'enseignant ou de CPE. Voilà. Donc je vous remercie. Je vais passer la parole à ma collègue Madame Dubois qui va vous présenter plus précisément votre année de formation. Et évidemment, je répondrai volontiers à vos questions à l'issue de son propos. Merci Brigitte. Bonjour à toutes et à tous. Et je réitère ce que vous allez entendre à de nombreuses reprises pendant 4 jours. Félicitations pour votre réussite à l'un des concours d'entrée dans le métier d'enseignant ou de conseiller principal d'éducation. Il me revient effectivement de coordonner votre formation cette année et de vous présenter donc les contenus de cette formation pendant ce temps de présentation. Donc ce diplôme interuniversitaire, entrée dans le métier, est un diplôme alors interuniversitaire. Pourquoi inter ? Parce qu'en réalité, les contours de ce diplôme ont été définis au niveau national et dans chaque INSP, pour l'ensemble des fonctionnaires stagiaires lauréats des concours 2022, sont mis en place donc ces diplômes interuniversitaires qui ont la même structure et qui proposent un volume horaire qui est lui-même cadré, avec une fourchette minimum et une fourchette maximum. Donc cette maquette de formation s'intègre dans le cadre de ce qui a été défini au niveau national, d'une part, et d'autre part, répond à la commande ministérielle relative à la formation des lauréats de concours fonctionnaires stagiaires. Donc il y a un texte, un arrêté donc, du 4 février 2022, qu'on retrouve aussi en partie dans un texte sorti en juillet 2022 qui définit peut-être encore davantage l'année de formation des fonctionnaires stagiaires et leurs modalités d'accueil. Et donc la présentation de cette maquette, vous allez voir, s'inscrit dans l'ensemble de ces textes institutionnels. Alors, les principes de formation de ce parcours sont assez peu nombreux, hein, je dirais 4, 5, grand maximum. L'idée, effectivement, c'est de vous accompagner tout au long de l'année à entrer en responsabilité de manière plus confiante et de plus en plus confiante pour, je dirais, réussir encore mieux l'année suivante quand vous n'aurez plus de formation à mi-temps et que vous serez en responsabilité à temps complet devant élèves. Hein. Donc c'est cette idée-là de vous accompagner tout au long de l'année pour vous aider à effectivement prendre la pleine mesure, prendre plaisir aussi, à être en responsabilité devant élèves et puis faire réussir vos élèves, puisque c'est quand même aussi l'idée de ce qui nous motive, nous anime comme enseignants ou comme conseillers principaux d'éducation, c'est de faire en sorte que nos élèves prennent plaisir à apprendre, à réfléchir, à vivre ensemble et à devenir des citoyens éclairés. Autre principe de formation de ce parcours, construire des compétences professionnelles, évidemment, mais de manière concrète, c'est-à-dire dans la conception et la conduite aussi de séances d'apprentissage ou dans la conception et la conduite de projets. Les projets s'adressant plus particulièrement aux conseillers principaux d'éducation, mais aussi, bien évidemment, aux enseignants des autres disciplinaires, hein, bien évidemment. Et puis, un autre principe de formation de ce parcours, Brigitte l'a déjà évoqué, ce sont des dimensions que vous avez nécessairement travaillées dans le cadre du concours que vous avez non seulement préparé, mais aussi réussi. Mais là, l'idée, c'est effectivement de continuer à réfléchir autour de ces valeurs de la République, comprises au sens large, hein, y compris la réflexion autour des élèves éloignés de l'école, la prise en compte des hétérogénéités, par exemple, hein, puisque quand on réfléchit là-dessus, on réfléchit fraternité, on réfléchit égalité, hein, bien évidemment, mais c'est de les penser vraiment de manière concrète et de manière aussi à faire en sorte que vous intégriez ces réflexions-là de manière de plus en plus naturelle à vos préparations de cours ou de moments de travail avec vos élèves, là je m'adresse plus particulièrement aux conseillers principaux d'éducation, que de fait, effectivement, cette question des valeurs,
voilà, soit partie prenante de votre réflexion disciplinaire et pédagogique. De plus en plus partie prenante, si vous n'êtes pas déjà habitué à ce qui peut être massivement le cas, à penser ainsi. Mais en tout cas, que vous vous appropriez cette façon de penser de plus en plus naturellement. Et puis, enfin, dans cette idée, effectivement, de vous aider non seulement cette année, mais aussi à continuer à réfléchir une fois que la formation initiale sera achevée, à continuer justement à interroger vos pratiques, à la fois vos réussites et vos difficultés, dans une perspective de formation tout au long de la vie, hein, ce qui nous est demandé aujourd'hui, en prenant appui sur les apports de la recherche et en formalisant ces réflexions dans le cadre, effectivement, des documents que vous déposerez et construirez dans votre portfolio et puis que vous formaliserez ensuite dans le cadre du dossier réflexif de développement professionnel qui a été évoqué tout à l'heure, parce que l'idée, effectivement, c'est bien aussi de vous habituer à penser aussi une approche par compétences, non seulement évidemment les compétences que vous devez développer chez vos élèves, mais aussi vos propres compétences d'enseignant, c'est-à-dire de faire des choix qui soient les plus possibles éclairés. Vous soyez en capacité, voilà, d'expliciter les choix que vous faites, des choix de support, des choix de dispositifs, des choix de démarche d'apprentissage, voilà, des choix d'évaluation, que si effectivement on vienne vous poser un certain nombre de questions, vous soyez en capacité d'expliciter vos choix et que voilà, ça vous permet aussi d'augmenter en compétence. C'est-à-dire plus on est en capacité d'expliciter ses choix, plus on devient auteur de ses choix. Hein, voilà, l'idée d'augmenter en compétence, c'est ça, hein, c'est d'être de plus en plus auteur de ses choix parce qu'on les fait de manière réfléchie et consciente. Hein, donc c'est dans cette idée-là. De fait, la maquette est structurée en trois blocs de compétences qui sont des blocs qui sont définis de manière institutionnelle, hein, qui ne sont pas du ressort de l'INSP Académie Lille Hauts-de-France. Hein. Donc des blocs de compétences auxquels sont rattachées les compétences du référentiel des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, et auxquels sont rattachées aussi les attendus de fin de formation que vous devez valider à niveau 2, à minima, d'ici à la fin de cette année de formation. Année de formation comprise à la fois au regard de ce que vous allez conduire en établissement, hein, puisque vous êtes aussi en formation dans votre établissement, bien évidemment, et avec la formation à l'INSP. Donc vous voyez que ces trois blocs interrogent trois dimensions de nos métiers, à la fois une dimension professeur CPE, acteur de la communauté éducative, une autre dimension qui est davantage disciplinaire ou, comment dire, liée aux missions du CPE autour de la politique éducative de l'établissement et du parcours de formation des élèves. Et puis une troisième dimension, davantage ancrée sur cette idée d'une démarche réflexive qui vous rend de plus en plus acteur, auteur de votre développement professionnel. Et ce qui fera par exemple que l'année prochaine, quand vous pourrez vous inscrire au plan académique de formation en 2023-24, vous ferez des choix éclairés, voilà, parce que vous aurez défini des besoins et vous choisirez des éléments de formation en réponse à ces besoins, mais encore faut-il être en capacité de les définir, ces besoins, et donc la formation initiale va vous aider à justement être de plus en plus en capacité de percevoir les besoins de formation qui seront les vôtres. Donc cette maquette de formation, je ne vais pas entrer dans le détail, hein, vous aurez tous les éléments qui vous seront mis à disposition le plus vite possible. Vous voyez bien qu'on y retrouve les trois blocs avec des volumes horaires associés. La maquette en tout représente pour les enseignants du second degré et les CPE 222 heures de formation. Je parlais tout à l'heure de fourchette haute et de fourchette basse définies au niveau national. La fourchette basse, c'est 220, la fourchette haute, c'est 250. On est à 222. Voilà. Hein. Et donc, vous voyez effectivement qu'on a davantage effectivement de contenu de formation à coloration disciplinaire ou métier. Vous voyez, 84 heures. On a 66 heures autour, effectivement, de culture partagée des métiers de l'enseignement et de l'éducation. Et puis, on a aussi professionnalisation par la recherche et l'analyse réflexive. Les 36 heures autour de la gestion de classe ont à voir aussi avec la culture disciplinaire et didactique, puisqu'effectivement, pour
que les élèves entrent dans les apprentissages qu'on leur propose, la manière de conduire la classe est importante pour les aider à entrer justement dans les apprentissages. Alors, sans non plus trop détailler, mais en vous donnant quand même quelques éléments, histoire que vous ayez envie de suivre la formation, en tout cas j'espère. En ce qui concerne ce premier bloc, on est sur des thématiques transversales, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des questions qui interrogent tous les enseignants, quel que soit leur domaine disciplinaire, quel que soit leur niveau d'exercice, collège, lycée, lycée pro, et qui interrogent aussi les conseillers principaux d'éducation, mais qui interrogent aussi les professeurs des écoles. Donc, vous travaillerez majoritairement en dimension interdisciplinaire et intercatégorielle avec les collègues CPE, mais pour certains moments de formation, avec les collègues professeurs des écoles. Dans l'idée, effectivement, aussi, de faire un pas de côté et de s'interroger aussi sur le parcours de l'élève, c'est-à-dire un élève de la maternelle au lycée, comment est-ce qu'effectivement on l'amène à partager les valeurs de la République, comment est-ce qu'effectivement on l'amène à lutter ou ne pas construire de stéréotypes, comment on l'amène à. Donc il nous semble important que vous ayez aussi un regard sur ce qui se passe avant-après. Voilà, j'ai une discipline qui s'enseigne au collège, au lycée, qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite, mais plutôt dans des domaines transversaux plus particulièrement. Donc vous voyez ici quelques entrées, par exemple pédagogie coopérative, par exemple un focus sur complotisme, radicalisation, c'est-à-dire comment en classe concrètement je m'empare de ces questions-là, si elles se posent, pour être en capacité d'y répondre. Comment j'intègre, quand je choisis des supports, par exemple, que je présente à mes élèves pour travailler d'un point de vue disciplinaire et didactique, comment est-ce que j'analyse, par exemple, une image ou un texte, et comment je m'empare de ces éventuelles questions pour amener mes élèves à y réfléchir. Donc l'idée, c'est effectivement de bien tisser les liens entre ce questionnement-là et ce qui peut vous interroger d'un point de vue disciplinaire. Et bien sûr, les conseillers principaux d'éducation s'emparent de ces questions au quotidien, évidemment, avec un temps commun avec les collègues professeurs des écoles. Autre bloc de thématiques, les élèves éloignés de l'école dans une perspective inclusive. Donc on va être à la fois sur les élèves effectivement porteurs de handicap, porteurs de troubles, mais aussi sur les élèves éloignés de l'école, c'est-à-dire plutôt les élèves dont les familles sont issues de la grande pauvreté. Donc on envisage cette question-là au sens large. Et concrètement, en classe, qu'est-ce que ça veut dire ? Avec évidemment là aussi un moment de temps commun avec les professeurs des écoles. On aura aussi une thématique autour de l'égalité filles-garçons. On envisagera peut-être plus particulièrement les pédagogies de l'égalité, sur lesquelles vous êtes peut-être moins au clair. J'ai dit peut-être, donc peut-être certains le sont-ils, peut-être d'autres moins. Donc on réfléchira sur ces questions-là, qui sont des questions vives, sur lesquelles on a beaucoup d'éléments de recherche quand même, on commence à en avoir pas mal. Et puis aussi avec un temps commun au niveau interdegré. Et puis enfin, un focus sur le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève. J'aurais dû mettre deux LE. Là, pour le coup, je crois que j'ai corrigé partout, sauf sur cette diapo-là. Et là, pour le coup, vous travaillerez soit avec effectivement des intervenants culturels ou avec des artistes dans des lieux de culture. Ça peut être aussi bien un musée qu'un théâtre, par exemple, donc dans un lieu culturel, à proximité, donc dans vos bassins d'affectation, pour effectivement comprendre ce que c'est que le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève, qui concerne l'ensemble des élèves de la maternelle au lycée et qui concerne l'ensemble des enseignants, quel que soit leur domaine d'enseignement, et bien sûr aussi les conseillers principaux d'éducation. Et puis cette fameuse journée du 7 juin qu'évoquait Madame Monfroy tout à l'heure. On passe ensuite au bloc B autour des contenus disciplinaires et pédagogiques. Alors, ça, ce n'est pas les animations pédagogiques de circonscription pour vous, je n'ai pas corrigé cette diapo. Vous allez avoir 18 heures de formation avec vos inspecteurs, avec les IAIPR ou les IENETEG pour les collègues qui enseignent en lycée professionnel. Mais vous verrez proposer par vos inspecteurs disciplinaires 18 heures de formation spécifiques.
Vous aurez... mais pourquoi ? C'est pas le bon... C'est pas le bon... J'ai pas ouvert le bon diaporama. N'ai-je pas ouvert le bon diaporama ? Peut-être. N'ai-je pas ouvert le bon diaporama ? Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de... C'est surprenant. Donc, c'est pas faute de l'avoir lu, relu et re-relu. Mais donc, vous avez un volume horaire disciplinaire qui de 60 heures hein, dans votre discipline propre et pour les conseillers principaux d'éducation aussi, bien évidemment. Et puis, donc vous laissez tomber la déclinaison, effectivement, pour le coup, qui a à voir avec la polyvalence. Hein, vous, c'est 60 heures qui correspondent à votre domaine disciplinaire. Vous avez donc des heures autour du numérique éducatif et puis aussi, bien évidemment, un cours qui vous proposera de réfléchir sur la construction, son autorité éducative et la gestion de classe, avec des thématiques effectivement qui sont spécifiques aux professeurs, mais dont la plupart effectivement concernent aussi les conseillers principaux d'éducation, par exemple le travail avec les parents d'élèves, l'évaluation, le travail de groupe, le développement des compétences psychosociales. Donc vous voyez que ce sont des questions qui interrogent l'ensemble aussi des enseignants, mais qui peuvent être aussi attachées à votre propre discipline, avec des exemples qui peuvent être issus de votre propre discipline. Et puis enfin, le dernier bloc de compétences, l'approche scientifique et la démarche réflexive. Vous aurez de fait, dans un module ici, à actualiser vos compétences. Donc on vous proposera un volume horaire que vous gérerez de manière autonome, hein, sur votre temps personnel. Hein. On ne va pas vous enfermer X heures devant un ordinateur pour visionner des conférences. Ça n'a strictement aucun intérêt. Mais dans votre maquette de formation, il y a un volume horaire de 12 heures qui vous permet donc sur votre temps personnel de choisir dans le catalogue des conférences qui sont à disposition et proposées par l'INSP, notamment sur la chaîne YouTube, y compris des conférences que vous pourrez regarder en direct, parce qu'il y en aura aussi cette année qui se dérouleront en direct sur des thématiques particulières. Vous pourrez choisir donc de regarder un certain nombre de conférences. En général, elles durent 1h30. En fonction des questions que vous vous poserez, des projets que vous aurez avec vos élèves, peut-être du projet d'équipe disciplinaire, peut-être des projets interdisciplinaires qui se mettront en place dans votre établissement, peut-être aussi en fonction du public élève qui sera le vôtre, en fonction de... Voilà, donc vous choisirez ce qui vous semblera le plus opportun pour votre formation. Et puis, un module aussi de formation qu'on a appelé séminaire de traces. Donc là, l'idée, effectivement, c'est de vous aider justement à entrer à la fois dans une démarche réflexive, à la fois dans une approche par compétences, et de construire, grâce effectivement aux apports de ce séminaire, votre portfolio et votre dossier réflexif de développement professionnel que vous aurez à rendre en mai prochain. Donc vous allez avoir là aussi des formateurs qui vont vous accompagner pour justement réussir ce dossier, et puis surtout, au-delà de réussir le dossier, entrer dans cette démarche réflexive. Et l'idée, effectivement, c'est de continuer à réfléchir une fois la formation initiale achevée, parce que c'est quand même ce qu'on demande aux enseignants, et voilà, de continuer à interroger ces pratiques. Donc vous voyez que votre année de formation, effectivement, elle s'échelonne, hein, de août, parce que nous sommes encore au mois d'août, jusqu'au mois de juillet prochain. Vous allez être à la fois en responsabilité en classe, à la fois en formation, et donc en formation en établissement, hein, puisque vous êtes en responsabilité en classe, à raison de 8 à 10 heures par semaine sur possiblement 3 jours en établissement, comme les a évoqué tout à l'heure ma collègue. Donc vous allez aussi réfléchir en équipe avec les collègues de votre établissement. Vous avez effectivement les journées de formation INSP. Vous allez avoir des rendez-vous professionnels INSPE avec votre référent parcours. Et puis, vous aurez aussi des rendez-vous professionnels avec votre tuteur terrain, hein, si possible, quelqu'un qui sera ou dans votre établissement ou dans un établissement de proximité. Tout au long de cette année, vous allez aussi élaborer votre portfolio et puis commencer à rédiger et finaliser des écrits de synthèse, ce qui vous permettra effectivement
de rendre le plus sereinement possible votre dossier réflexif de développement professionnel le 17 mai et d'envisager en juillet un avis favorable du jury académique en vue de votre titularisation. Alors, nous n'avons pas vérifié à midi si les guides du ou de la stagiaire avaient été mis en ligne sur le site du rectorat. Ceux d'entre vous qui sont dans l'amphithéâtre, je pense que vous n'avez peut-être pas vérifié pendant l'heure de la pause méridienne si les guides avaient été déposés, non ? Donc, s'ils ne l'ont pas encore été, ils devraient l'être. Si ce n'est aujourd'hui, en début de semaine prochaine. Et nous vous invitons vraiment à les lire avec attention, parce que ces guides, à la fois, vous donnez aussi des éléments pour vous emparer de cette année de formation, mais aussi vous donnez des éléments pour vous emparer de cette année de formation, y compris, et surtout, pour la partie établissement. C'est-à-dire comment j'entre en relation avec mon chef d'établissement, comment je travaille avec mon tuteur terrain, quels objectifs nous pouvons nous fixer ensemble avec mon tuteur terrain, comment peut-il m'aider, sur quoi peut-il m'aider du point de vue institutionnel, au niveau du rectorat par exemple, quels sont les contacts si j'ai des questions à poser relatives à mon traitement, mon salaire, ce genre de choses. Hein. Donc vous allez avoir un certain nombre d'éléments importants qui vont peut-être vous aider aussi à envisager des questions que pour le moment vous ne vous posez pas. Et qu'il est tout à fait, ordinaire, normal, hein, classique, que vous ne vous posiez pas encore parce que vous n'imaginez pas que ces questions se posent. Hein, donc c'est tout à fait normal quand on arrive dans un métier qu'on ne connaît pas nécessairement, pour lequel on n'a pas nécessairement eu de formation, il y a peut-être un certain nombre de questions qu'on n'imagine pas. Et bien peut-être la lecture attentive de ce... Enfin, on peut penser... pour avoir lu les dossiers des années antérieures, que la lecture de ces dossiers fait émerger un certain nombre de questions qu'il vous sera peut-être utile de poser, alors peut-être pas demain s'il n'est pas sorti aujourd'hui, hein, mais de poser lundi, quand vous allez rencontrer votre chef d'établissement, peut-être votre tuteur terrain lundi, ou mardi, pendant la journée d'accueil institutionnel. Donc si il est mis en ligne, avant lundi ou mardi, n'hésitez pas à le lire, et je dis le lire plus que le parcourir, parce que je pense qu'il y a pas mal d'informations dedans, et je pense que vous y reviendrez au fil de l'année, parce qu'il comprend quand même un certain nombre d'éléments de fait. Donc cette année de formation en diplôme interuniversitaire, c'est une formation par l'alternance, hein, puisque c'est mi-temps en établissement, mi-temps en formation INSP. Donc vous avez cette formation dans les sites INSP. Vous avez votre activité professionnelle à mi-temps en établissement. Et puis, vous avez différents suivis personnalisés. Celui sur le terrain, avec votre tuteur terrain. Celui au sein de l'INSP, avec votre référent parcours. L'idée de la formation, c'est-à-dire qu'à la fois, ça relève de nos missions à nous, formateurs, de vous aider à faire ces liens. Mais ça relève aussi de la manière dont vous, en tant que adulte professionnel responsable, vous allez vous emparer aussi de cette formation et vous questionner sur la manière dont on peut envisager les liens entre ces différents moments qui ne sont pas cloisonnés, mais qui sont en résonance les uns avec les autres. C'est-à-dire que la formation dans les sites INSP peuvent vous dire « Ah ben oui, ben là, ce dont me parle monsieur X ou madame Y, c'est la situation que j'ai vécue hier avec mes élèves » ou « Ah, c'est pour ça que mon tuteur terrain m'a dit ça » ou « Ah tiens, c'est la même référence » par exemple. Hein. Ou bien effectivement vous aider à dire « Ah oui, quand en formation on m'a parlé de ce type d'élève, je vois bien maintenant, peut-être que je peux me demander pourquoi cet élève-là réagit de cette manière, peut-être qu'effectivement il y a cette problématique-là pour cet élève. » Vous voyez ? Et puis ça peut être le contraire, ça peut être en classe, vous rencontrez une question de métier et vous la partagez en formation INSP, et ça devient une question justement à laquelle à la fois vos formateurs, mais peut-être les collègues qui travaillent avec vous dans le groupe, peuvent aussi amener des éléments de réponse ou des compléments pour analyser la question.
Et puis, même chose, faire du lien entre formation dans les sites et activités professionnelles avec votre tuteur terrain et votre référent parcours. L'idée, c'est vraiment que vous vous empariez de ces différents moments de formation pour les mettre en relation. Et nous, notre travail, c'est aussi de vous aider à construire ces relations-là, qui ne sont peut-être pas si évidentes que ça, en tout cas au départ, quand on commence à construire le métier. Mais on va vous accompagner, chemin faisant, petit à petit, pour que vous soyez de plus en plus à l'aise et que vous tissiez ces liens de plus en plus, de manière de plus en plus autonome. Et bien sûr, vous continuerez à les construire au-delà de cette première année de formation. Parce qu'on ne peut pas tout construire la première année, il faut quand même être raisonnable. Voilà. Donc, l'objectif de cette année, bien sûr, le vôtre, le nôtre, c'est que vous réussissiez votre entrée dans le métier et que vous fassiez réussir vos élèves. C'est un objectif partagé. Et autre objectif partagé, c'est de vous aider à faire la preuve de la construction de vos compétences professionnelles et des attendus de fin de formation. Alors, à la fois par le dossier réflexif que vous allez déposer à la fin de l'année et sur lequel portera l'évaluation de l'INSP, mais la preuve de ces compétences professionnelles, vous allez les faire au quotidien dans votre action devant les élèves et en équipe dans votre établissement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que ça ne vaut que pour le dossier réflexif. Ça vaut aussi ça vaut aussi dans l'établissement, dans la classe, dans le métier. Donc ces compétences, elles ne sont pas réservées au portfolio ou au dossier réflexif. Ce sont des compétences sur lesquelles sont aussi évalués les enseignants titulaires depuis de longues années et sur lesquelles il y a des échanges avec les inspecteurs dans le cadre des rendez-vous de carrière, par exemple. Donc ce référentiel de compétences, ça n'est pas un référentiel junior, c'est un référentiel qui vaut sur l'ensemble de la carrière, enfin en tout cas à l'heure à laquelle cette réunion d'information a lieu. Pour le moment, c'est comme ça. De fait, votre accompagnement, votre suivi INSP, vous aurez des rendez-vous professionnels en présentiel ou en distanciel avec votre référent parcours qui vous aidera effectivement dans l'avancée de votre portfolio et l'élaboration de votre dossier réflexif. Donc ce référent sera nommé, fin septembre, début octobre. De toute façon, là pour le moment, même si vous jetez, comme Madame Monfroy vous l'a conseillé tout à fait, avec juste raison, si vous commencez à noter, alors soit de manière numérique, soit papier-crayon, pour le moment, peu importe, les questions que vous vous posez actuellement pour effectivement en garder la trace, pour pouvoir interroger votre cheminement justement et comment vous avez trouvé des éléments pour vous aider à dépasser ces difficultés ou à répondre à ces questions que vous vous posiez, ou peut-être pour vous apercevoir que la question au final ne se posait pas. Donc ça peut être intéressant effectivement, vous gardiez trace. L'idée n'est pas de faire que vous rédigiez à chaque fois des dissertations, il faut garder trace, donc ça peut être des choses extrêmement, des mots-clés, des listes sous forme de tirets, enfin, ça peut être assez informel en première intention. Et puis, ça deviendra plus formel grâce au séminaire de traces, d'une part, et grâce au travail avec votre référent parcours, puis peut-être aussi avec votre tuteur terrain, par ailleurs. Et puis, pour vous aider, vous aurez un certain nombre d'outils qui seront mis à votre disposition, outils que vous travaillerez aussi en formation, en séminaire de traces ou avec votre référent parcours INSP. Donc, vous n'aurez pas imaginer vos outils, ce qui ne vous empêche pas d'en imaginer certains, mais on vous en proposera. Ne croyez pas que vous allez partir tout seul dans l'inconnu, vous serez accompagné. Donc, comme il vous l'a effectivement déjà été dit, le DIU, effectivement, le dossier professionnel réflexif permet de valider ce diplôme interuniversitaire. Je ne vais pas développer trop, effectivement, parce que ce sera l'objet à la fois du document de cadrage qui fixera les attendus de ce dossier réflexif, mais aussi parce que ce sera travaillé en formation. En tout cas, n'ayez crainte, on n'attend pas quelque chose qui soit de l'ordre, je ne sais pas, de 120 pages, de 90 pages ou de 50 pages. On sera plutôt autour de quelque chose qui ne dépassera pas les 20 pages et peut-être un peu moins, et qui vous permettra surtout effectivement de faire la preuve que de votre degré de compréhension des compétences du référentiel et des attendus de fin de formation, il est demandé institutionnellement
que les fonctionnaires stagiaires en diplôme interuniversitaire entrés dans le métier soient, maîtrisent à niveau 2. Il y a 5 niveaux de maîtrise, hein, 0, 1, 2, 3, 4. Donc maîtrise à minima à niveau 2 l'ensemble des attendus de fin de formation. Donc effectivement, il faut bien que nous soyons en capacité de donner un avis là-dessus, mais que vous soyez vous-même aussi en capacité de dire où vous en êtes, vous, en ce qui concerne ces attendus de fin de formation, et où vous en êtes aussi, où vous en êtes au moment où vous en êtes, c'est-à-dire à la fin d'une première année de formation initiale, hein, d'accord, où vous en êtes aussi de votre compréhension des compétences du référentiel. Alors, peut-être parmi vous ici dans l'amphithéâtre ou parmi ceux qui sont en visio, y a-t-il certains collègues qui sont en double inscription M2 DIU ? Alors, vous étiez déjà stagiaire en 2021-2022, mais vous n'avez pas validé votre master MEF au mois de juin dernier. Or, comme vous le savez, le master est obligatoire pour la titularisation. Vous êtes donc renouvelé pour raison de scolarité. Alors, une commission pédagogique va examiner la situation particulière de chacune et de chacun d'entre vous. Qu'avez-vous déjà validé ? Que vous manque-t-il ? Que vous devez valider d'ici à la fin de l'année ? Et en fonction, nous établirons pour chacun d'entre vous un contrat pédagogique qui, effectivement, vous dira, puisqu'il vous manque telle chose du master, vous devez suivre tel cours de master. Puisque cela, vous l'avez déjà validé, vous pouvez suivre tel cours en DIU. Voilà. Hein. Et donc, voilà, c'est ce que dit la suite. Hein. Ce contrat définira les cours de M2 à suivre et les cours de DIU auxquels vous pourrez participer. Évidemment, votre référent parcours INSP portera une attention particulière à votre situation parce qu'à la différence de ceux d'entre vous qui arrivaient en DIU entrée et qui n'avaient pas d'expérience d'enseignement antérieur, à la différence de ces collègues qui ont déjà une année de fonctionnaire stagiaire, évidemment, on tiendra compte de votre cursus antérieur dans votre accompagnement et puis peut-être aussi parce que vous serez à certains moments personne ressource pour certains objets de formation. Hein. Donc bien sûr, il en sera tenu compte. D'autres, soit dans l'amphi, soit effectivement connectés, sont peut-être en prolongation ou en renouvellement de stage. Alors, pour cela, votre master est validé ou bien vous étiez dispensé de titre et de diplôme, voilà par exemple. Hein. Et donc, ou bien vous étiez déjà fonctionnaire ou détaché d'un autre corps de la fonction publique. Vous étiez fonctionnaire stagiaire l'année dernière, soit en M2, soit en DU entrée, en DU poursuivre ou en DU conforté. Mais vous avez été en arrêt un nombre de jours important et qui a rendu impossible l'évaluation de votre stage parce qu'il y avait un nombre de journées d'absence trop important. Moyennant quoi, le stage que vous avez commencé l'année dernière se prolonge sur cette année scolaire 2022-2023. Et donc à ce moment-là, vous êtes prolongé sur toute ou partie de l'année scolaire universitaire 2022-2023. Vous êtes donc de fait inscrit en DU entrée, puisque comme l'a expliqué tout à l'heure Madame Monfroy, il n'existe plus que 2 parcours adaptés. 1 si vous êtes temps plein, 1 si vous êtes mi-temps en établissement. D'autres parmi vous étaient déjà stagiaires l'année dernière, voilà, mais ont rencontré soit des difficultés de gestion de classe, soit des difficultés dans la mise en œuvre des apprentissages en classe. Mais le jury académique a estimé qu'il était pertinent de vous proposer une deuxième année de stage, pensant qu'au cours de cette deuxième année, vous réussiriez à dépasser ces difficultés. Cela, vous êtes en renouvellement de stage. Donc vous faites une deuxième année de stage complète. À ce moment-là, vous êtes aussi inscrit dans cette maquette de formation, mais quelle que soit votre histoire antérieure, ne vous inquiétez pas outre mesure, la nouvelle maquette de DIU
ne recouvre pas, ne reprend pas, ne répète pas les contenus de formation qui vous ont été proposés l'année dernière. Elle vient en complément, hein, de fait. On n'est vraiment pas sur les mêmes brisées, notamment, je pense, au DU pour survie confortée, parce que vous avez un minimum de temps en interdegré, alors que l'année dernière, vous aviez beaucoup d'heures de cours en interdegré, notamment avec les professeurs des écoles. Donc là, il y en a beaucoup moins, et vous aurez plus de contenu disciplinaire que vous n'en avez eu l'année dernière, en volume horaire, par exemple. De même, votre référent parcours INSPE aura connaissance de votre histoire particulière, mais aussi parce que vous la partagerez vous aussi avec lui, hein, bien sûr, et portera donc une attention particulière à cette histoire-là dans l'accompagnement qu'il vous proposera et puis peut-être aussi en formation. Alors, des informations complémentaires sur le suivi de scolarité. Alors, on dit vous êtes mi-temps, mi-temps. Ben oui, si vous êtes mi-temps d'établissement, mi-temps en formation à l'INSP, ça veut donc dire que vous êtes à temps plein. Pour preuve, vous n'avez pas un demi-salaire, un demi-traitement. Hein, vous êtes payé à temps, voilà, c'est logique. Vous avez un traitement complet et intégral. Donc, de fait, vous êtes soumis à l'assiduité et en établissement et à l'INSP. Donc, on doit pouvoir dire que vous étiez effectivement là. Et donc, de fait, il y a des émargements au module de formation, qu'il se situe ici en site INSP ou qu'il se déroule à l'extérieur. Je parlais de lieux culturels, par exemple, tout à l'heure. Donc, vous êtes soumis effectivement à contrôle d'assiduité. Pour les conférences que vous pourrez visionner sur temps personnel, tout comme l'année dernière, hein, on vous demandera de renseigner une attestation sur l'honneur que vous ajouterez dans les annexes de votre dossier réflexif. Ce qui est plus intéressant aussi, c'est que, tout ou partie de ces conférences peut nourrir aussi votre dossier réflexif, parce que vous vous dites, ah ben justement, je me posais telle question, j'ai regardé telle conférence, ça m'a permis de comprendre que. Bon, voilà, ça peut être aussi comme ça, mais on vous demandera une attestation sur l'honneur néanmoins. La validation du diplôme, on vous l'a donc expliqué. À la fois, c'est un dossier de développement de réflexion professionnelle et puis cette fameuse assiduité. En ce qui concerne les absences, alors les absences en formation, c'est-à-dire mardi, jeudi, si vous êtes professeur d'éducation physique et sportive, mercredi, jeudi, si vous êtes professeur des autres disciplines ou conseiller principal d'éducation. À l'habitude, hein, comme tout fonctionnaire, que vous soyez stagiaire ou pas, vous devez demander une demande de congé, d'autorisation de congé légale ou de complaisance, ça c'est à vous de voir, auprès de votre supérieur hiérarchique, c'est-à-dire auprès de votre chef d'établissement. Là, pour le coup, c'est quand vous savez à l'avance que vous souhaitez vous absenter. D'accord ? Donc, vous demandez une autorisation de congé légal auprès de votre supérieur hiérarchique. Et quand la réponse est positive, vous, effectivement, communiquez cette autorisation au service scolarité du site INSPE, donc soit Arras, soit Villeneuve-d'Ascq, et vous en envoyez aussi un scan par mail sur l'adresse mail qui figure ici et qui est l'adresse, la boîte fonctionnelle sur laquelle vous allez correspondre alors avec l'équipe des collègues qui géreront le parcours adapté d'un point de vue administratif. Nous sommes 3-4 hein, à avoir accès à cette boîte mail. Donc, ça nous permet aussi, nous, de garder ces documents-là au cas où on nous dise « Ah, mais tel collègue était absent tel jour, et donc on va lui retirer un 30e. » Ben non, il nous avait envoyé un document qui justifiait de son absence. Hein. Donc, c'est par assurance hein, qu'on vous demande de nous adresser ces éléments-là. Si, bien sûr, il s'agit d'une absence que vous n'avez pas pu anticiper parce que c'est un arrêt de travail, parce que vous êtes malade, hein, on ne décide pas à l'avance qu'on va être malade, les jours de formation INSP, là, pour le coup, les originaux de ces arrêts de travail sont à adresser à votre chef d'établissement dans les délais de rigueur, hein, à savoir 48 heures ouvrables, et vous en adressez copie, pareil, au service scolarité de votre site de formation et sur la boîte mail INSPE-du6 parcours adapté sans accent ES @univ-lille.fr.
Donc, ce n'est pas pour vous surveiller, c'est pour disposer des éléments et pouvoir justement dire, bah non, effectivement, il y a bien une autorisation d'absence, il y a bien un arrêt pour peu qu'il se soit perdu dans un monde virtuel. Donc, calendrier, emploi du temps, documents utiles à votre formation, vous recevrez un certain nombre d'informations par mail sur messagerie inspe-unif-lille. Nous communiquons, comme l'a dit Madame Monfroy tout à l'heure, avec vous uniquement sur votre messagerie unif-lille. Ce qui veut donc dire que cette année, vous aurez deux messageries professionnelles à gérer en simultané. La messagerie professionnelle sur laquelle vous écriront vos inspecteurs, les services académiques, très probablement aussi vos chefs d'établissement, qui seront l'adresse AC-Lille. Et puis l'adresse sur laquelle nous vous écrirons, qui sera une adresse en univ-Lille. D'où la nécessité de vous inscrire très vite pour disposer très vite d'une messagerie et activer cette messagerie. Parce qu'imaginons qu'aujourd'hui, j'écrive à ceux qui sont déjà inscrits. Ben, tous ceux qui sont déjà inscrits et dont la messagerie est déjà activée, vous allez recevoir les messages. Mais ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous ne recevrez jamais les messages qui ont été envoyés avant que votre messagerie ne soit activée. Quand on utilise la liste de diffusion, par exemple. Hein, vous ne les recevrez jamais, ceux-là. C'est ce qui explique que parfois, certains reçoivent trois fois les mêmes messages parce que je les envoie à une semaine d'intervalle. Et vous dites, elle abuse quand même, Madame Dubois, elle a déjà envoyé ça il y a 15 jours. Mais oui, mais il y a 15 jours, tout le monde n'avait pas activé sa messagerie et tout le monde n'était pas tombé dans les listes de diffusion et ainsi de suite. Hein. Donc, par voie d'affichage dans vos sites d'affectation, vous aurez aussi notamment, on peut penser, les emplois du temps qui seront affichés dans vos sites d'affectation, donc Arras ou Villeneuve-d'Ascq. Et puis, un Moodle dédié DIU entrée professeur du second degré et CPE a été créé, mais... on ne pouvait pas encore ajouter de cours, donc je ne peux pas vous communiquer la clé d'inscription de ce Moodle, à mon grand regret, mais nous essaierons de trouver un moyen pour vous la communiquer très rapidement, parce que j'y mettrai ce diaporama, par exemple, de manière à ce que vous le retrouviez très vite, y compris avant que... Enfin non, de toute façon, vous ne pourrez pas y accéder tant que vous n'aurez pas... activer votre messagerie, tant que vous ne serez pas inscrit. Donc, vous serez quand même obligé d'attendre d'avoir activé votre messagerie pour en disposer. Et puis, j'ai modifié ce... Donc, ne tenez pas compte de... Parce que j'ai quand même modifié ce diapo hier. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pas rendu enregistrer la nouvelle version, en fait. Parce que je l'ai modifié. C'est sûr, parce que... Bon, donc ça n'est pas du tout le samedi 10 septembre de 8h30 à 10h, je vais le corriger. Hein. C'est jeudi 8 septembre de 14h à 15h30. C'est mieux, vous préférez. Hein. Oui, moi aussi. On s'est dit ça. Et donc, c'est, voilà, je l'ai corrigé hier. Et je ne comprends pas pourquoi... Enfin bref. Donc, je vous présente mes excuses les plus plates et je répète et je confirme. C'est pas sérieux, hein, c'est... J'enverrai un mail, je vous rappellerai, enfin bref. Je confirme à toutes et tous, hein, y compris ceux qui ne sont pas là, qui sont là en visio, jeudi 8 septembre de 14h à 15h30. Donc, une présentation spécifique du calendrier et de l'emploi du temps, pour que vous y retrouviez, parce que là pour le moment, voilà. Parce que dans la diapo que j'ai faite quand même hier soir, j'avais quand même noté que ceux d'entre vous qui relevaient de la discipline espagnole, vous aurez déjà un moment de cours disciplinaire le mercredi 7. Voilà, oui. Et les CPE aussi. Vous avez déjà un moment de cours le mercredi 7. Donc pas de panique, vous aurez des mails selon vos disciplines qui vous diront s'il se passe quelque chose avant le jeudi 8, vous ne raterez rien. Mais inscrivez-vous vite, hein, que je puisse vous envoyer les messages. Je vous donnerai la parole très vite. D'accord ? Donc, le 8 septembre, de 14h à 15h30, vous aurez des informations extrêmement précises.
précise de la manière dont les cours se passeront le jeudi, avec les emplois du temps du jeudi. Vous aurez des éléments précis concernant les cours du mardi pour les EPS, du mercredi pour les autres domaines disciplinaires. Et pour ceux qui, dont les cours auraient commencé le 7, le mercredi 7, vous aurez des éléments, ne vous inquiétez pas, vous ne raterez rien. Ah bah voilà. En fait, j'ai pas effacé. J'ai fait une autre diapo. J'ai pas. Voilà. Bon, comme quoi, je ne suis pas complètement folle. Oui, moi non. Mais voilà. Alors, le lien Zoom sera communiqué via Moodle, mais je doublerai sans doute par un mail. Hein, donc ceinture, bretelles, parachute. Donc voilà, vous serez abreuvé d'éléments. Et puis voilà. Comme quoi, je ne suis. Ça me rassure. Mais j'ai oublié de modifier. Je me suis dit, je vais faire une autre diapo spécifique, hein, et j'ai oublié d'effacer une partie de la diapo précédente. Bref, quand même. Donc en espagnol et en CPE. Donc merci, Madame Payen. Sinon, en ce qui concerne les lieux de formation, donc majoritairement le site INSPE dont vous dépendez, donc soit Arras, soit Villeneuve-d'Ascq. Vous pourrez, en cas de regroupement académique disciplinaire, lié aux effectifs assez faibles dans certaines disciplines, être éventuellement invité sur une petite partie hein, de la formation à rejoindre un autre site INSPE, c'est-à-dire si vous êtes sur Arras, peut-être à venir sur Villeneuve-d'Ascq hein, pour quelques moments de formation, notamment disciplinaire, possiblement aussi sur site universitaire, mais pas plus éloigné que Lille ou Arras. Enfin, c'est soit l'un, soit l'autre, mais vous ne serez pas... sur la côte, sur Valenciennes, d'accord, donc pas de panique non plus. Et pour la journée autour de l'éducation artistique et culturelle, là, vous serez en bassin d'affectation, donc à proximité de votre établissement. Voilà, hein, sur une journée de formation dans l'année, pour évidemment découvrir ou mieux connaître un lieu que vous connaissez peut-être déjà si vous êtes... si vous habitez dans le bassin d'affectation dans lequel vous exercez. Et sinon, pour toute question, échange, information d'ordre général, si vous avez une situation particulière, personnelle, un problème à signaler, une seule adresse mail, celle-ci, inspe-du6, parcours adapté, ES sans accent, atunive-lille.fr. Nous, alors je dis parce que nous sommes voilà, 3-4 à avoir accès à cette boîte, nous vous répondrons au plus vite, soit en vous apportant réponse, soit en vous disant il faut contacter tel autre service ou de l'INSPE ou tel autre service du rectorat. Ça ne dépend pas de nous. En tout cas, on essaiera de vous apporter une réponse la plus pertinente possible au regard de votre questionnement. Donc n'hésitez pas, toutes les questions sont les bienvenues. Il n'y a pas de questions bêtes, de questions inutiles, de « vous l'avez déjà dit, mais je ne me souviens plus ». Laissez tout ça de côté, posez vos questions. Hein, ne restez pas dans le doute, de fait, y compris après ce moment de formation. Ce qu'on va vous demander, par contre, c'est d'écrire de votre boîte INSPE ou de votre boîte AC-Lille. Alors, évidemment, peut-être n'avez-vous pas de boîte INSPE ou AC-Lille là, tout de suite, maintenant. Donc, si vous avez des questions à poser, on dira que jusqu'à la semaine prochaine, on ne regardera pas la messagerie avec laquelle vous posez vos questions. Mais à partir de la fin de la semaine prochaine, on dira qu'on ne répond pas aux questions qui sont posées sur une messagerie qui n'est pas AC ou UNIV. D'accord ? Mais là, on peut... Voilà, parce que vous n'avez pas ces adresses mail-là, donc vous ne pouvez pas écrire de ces adresses mail. Mais vous aurez peut-être des questions. Probablement. Donc, on vous invite aussi à consulter cette adresse mail, alors, tant que faire se peut, tous les jours. Pas seulement le mercredi soir pour le mardi soir pour le mercredi ou le jeudi, hein, bah, tous les jours, au moins deux fois par semaine quand même, hein, pour ne pas passer à côté d'informations où vous retrouvez en disant « Ah oui, mais vous m'avez prévenu hier. » Ben non, en fait, on vous a prévenu il y a une semaine, mais vous regardez aujourd'hui pour une information qui concerne demain, donc effectivement. De même, pour votre adresse AC-Lille, consultez-la très régulièrement. Vous pouvez avoir pas mal d'informations dessus, surtout en début d'année, l'adresse AC-Lille, vous pouvez avoir des infos institutionnelles dessus importantes. Hein, pour tout ce qui est traitement,
comment dire, d'effraiement et ainsi de suite. Donc n'hésitez, enfin, consultez-la assez régulièrement. Vous activerez cette adresse à Cetirilline une fois que vous aurez signé votre PV d'installation et que vous aurez donc vos codes d'accès à cette messagerie à Cetirilline. À l'écoute de vos questions en amphi et bien sûr aussi vos questions pour les collègues qui sont en visio. Merci de votre attention. Oui. Alors, attendez, je vais peut-être passer le micro de manière à ce que les collègues qui sont en visio vous entendent. Oui, bonjour. Je voulais savoir simplement pour demain, comment, à partir de quand on saura les établissements par rapport aux disciplines pour s'y rendre. Est-ce qu'on n'a pas encore la liste En principe, vous avez la présentation sur le site du rectorat de la semaine d'accueil des fonctionnaires stagiaires. Ouais. Et donc, vous avez la liste des lycées en fonction de votre discipline qui est indiquée dans les éléments présentés, notamment pour la journée de demain. D'accord, parce que quand je suis allé, il y a le programme, il y a le lien programme. Et après, il y a les dates, les heures, notamment celle-ci. Et après, il y a le jeudi en question pour demain, mais il n'y a pas de lien qui amène aux établissements. C'est vrai. Vous dites non, ça c'est en présentiel les établissements. Oui, mais il n'y a pas de lien. Vous avez reçu un mail, et dans ce mail, alors d'accord. Peut-être que le mail est tombé dans les spams. Ah, possible, d'accord. Vous avez reçu un mail, et dans ce mail, il y a une pièce attachée qui liste les établissements qui correspondent à votre discipline. D'accord, bah, je regarderai dans les spams du coup. Guillaume, est-ce que tu peux déconnecter mon ordinateur de l'écran général ? Merci. Je vais regarder pendant qu'il y a d'autres. Je vais regarder pendant qu'il y a d'autres questions parce que le mail je l'ai en copie. D'accord, on va regarder et on va vous donner l'information. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, vous pouvez lui donner votre micro. Ouais. Merci. Bonjour. Moi, je voulais savoir quelle est la différence entre un... Dans votre établissement, donc qui soit enseignant, soit de CPE, qui va vous accompagner tout au long de cette année scolaire. Et le tuteur parcours, c'est un collègue de l'INSP, un formateur de l'INSP, qui lui va vous accompagner côté formation, notamment dans la construction de votre portfolio de compétences, la réalisation de votre dossier réflexif. Donc, il va vous accompagner côté formation. D'accord. C'est deux missions un peu en parallèle, mais qui ont pour objet de vous accompagner tout au long de cette année, dans les différentes dimensions de cette année. D'accord. Donc, après, je passe le micro. Juste pour être sûr, en fait, ça n'est pas forcément une personne qui est dans la même matière que la mienne. Pour le tuteur terrain, si. Ouais, pour le tuteur. Alors, il ne peut pas être dans mon établissement parce qu'en allemand, il n'y en a pas. Vous êtes la seule ? Oui, on est toujours seul en fait. Oui. Donc, mais ça, c'est effectivement assez classique. Hein. D'accord. Le collègue qui est tuteur, dans ces cas-là, n'est pas dans l'établissement. Il est dans un autre établissement. Ça n'empêche pas, en fait, qu'il puisse venir dans votre classe, que vous puissiez, vous aller dans sa classe à lui. Ça n'empêche pas. Okay. Donc, ce n'est pas un problème. Merci. Normal que vous n'ayez pas reçu l'information. Ouais,
Bonjour. Justement, je voulais embrayer sur ça, justement, parce qu'on entend un peu des infos contradictoires sur la journée de demain. Donc apparemment, il y en a qui disent que ce serait que pour les lauréats du concours externe, il y en a qui disent que c'est que pour les mi-temps. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas la convocation ? On se permet d'y aller quand même ou... Parce que, enfin, ouais, pour le coup, moi, je me sens un peu comme un ovni parce que j'ai le concours interne, mais je suis en mi-temps, mais j'étais assistant d'éducation, donc enfin, je suis un peu perdu par rapport à ça. En plus, je suis en documentation, donc je suis le seul de l'académie. Donc, Madame Payen. Ok, d'accord, bah, merci. Voilà. Oui. D'accord. Ok. Merci. Alors, ça reprend aussi une question qui était posée effectivement en visio par Guillaume. Alors, c'est pas un rendez-vous sur les lycées, c'est un rendez-vous dans des collèges ou des lycées de la métropole lilloise. Et en fonction des domaines, des disciplines d'enseignement qui sont les vôtres ou les CPE, vous êtes invité à rejoindre tel ou tel établissement de la métropole, tel ou tel collège ou tel lycée. Donc ce sont des regroupements par discipline. On peut penser que si vous n'avez pas reçu d'invitation, c'est qu'on ne vous attend pas. mais vous pouvez peut-être aussi, comme le disait Madame Payen, rejoindre le lieu de rendez-vous pour peu que vous en ayez connaissance, hein, puisque vous n'avez pas reçu l'invitation. Et puis, poser la question aux collègues inspecteurs qui sont là, si votre présence est bienvenue ou moins bienvenue. Mais là, pour le coup, ça n'est pas de notre ressort, en fait. Deuxième petite question, ensuite je passe le micro, désolé. Pour l'inscription jusqu'au 26, c'était pas jusqu'au 31 ou alors ça n'a rien à voir ? Le 26, c'est pour les mi-temps, le 31, c'est pour les... C'est le 26. Pour vous, c'est le 26. Pourquoi vous dites le 31 ? Parce que c'est indiqué le 31 sur les documents. Parce qu'il y a, en plus, il y a eu des problèmes de réforme avec la CVEC, enfin bref. Ah. Et même le document, donc le formulaire qu'on doit remplir n'est plus disponible en ligne. Je ne sais pas s'il a été remis, j'avais appelé, donc je ne sais pas si c'était remis depuis, mais c'était marqué. Alors, il 31. Est possible que les collègues aient repoussé au 31 je pense de fait. Mais plutôt, vous le faites. Oui, non, bien sûr. Mais plutôt, plutôt vous aurez accès aux éléments. Oui, bien sûr. Plutôt, on pourra vous contacter, de fait. Alors, je profite pour prendre une question en ligne. Comment fait-on pour savoir quel est le lycée où nous sommes attendus demain ? Je ne trouve pas l'information. Alors, soit le mail est tombé dans vos spams, soit vous n'avez pas été destinataire de ce message. Et si vous n'avez pas été destinataire de ce message, comme on peut penser que vous n'avez pas été oublié, c'est que peut-être vous n'êtes vraiment pas destinataire de ce message pour une raison qui correspond à votre cursus antérieur. Même réponse que tout à l'heure, sauf que vous ne savez pas... dans quel établissement vous allez. Et effectivement, on a accès à ces informations que si on est destinataire du message. La liste n'est pas sur le site. La liste est dans le message qui a été adressé aux stagiaires, en fait. Donc, oui. Voilà. Alors, si vous voulez, peut-être on va attendre la fin de cet entretien et je pourrais lister très brièvement discipline, lieu. Hein ? Mais on va attendre que toutes les questions soient posées et à la fin, ça ne me dérange pas de reprendre. On fait comme ça ?
Daniel, tu peux reprendre. Je listerai les établissements avec la discipline à la fin. Ok, super. Hein ? Merci Martine. Pour répondre à une question en ligne, effectivement, j'ai obtenu le CAPES par voie du troisième concours et cela n'a pas été mentionné. Effectivement, c'est la sixième possibilité. Ah ben, à nous, il y a peut-être la septième. Alors, effectivement, ça ne figurait pas ni dans la diapo, ni dans les documents que j'ai copié-collé. Bref, mais oui, enfin, ça veut dire que vous n'avez pas de master, effectivement, mais vous avez une expérience professionnelle dans le privé de plus de 5 ans, ce qui légitime le fait que vous puissiez passer le troisième concours et donc vous relevez effectivement d'une affectation à mi-temps. Okay. Une autre question dans l'amphithéâtre ? Ouais, justement, c'est pour rebondir sur une situation particulière qu'on a avec mes collègues des SVT. Donc en fait, on a le master ancienne version 2020, il y a 2 ans, ouais, 2020, master MEF. Donc on est dans ce cas, on a le master, on l'a obtenu en 2020, mais on est en mi-temps. Ça signifie quoi exactement ? Il y a une erreur. On est 3 à avoir l'erreur là. Vous avez bien déclaré au moment que vous aviez le master MEF ? Tout à fait. MEF ou sciences de l'éducation ? MEF, c'est Master MEF. On a demandé en juillet, incapable de nous répondre. Mais sur le site, c'est écrit, eh bien, on a 9h chacun, donc on est en mi-temps. Donc, Alors, puisque vous avez un Master MEF, la formation que nous vous proposons aux lauréats titulaires d'un Master MEF, c'est une formation spécifique qui n'est pas à mi-temps, mais qui est de 10 jours dans l'année. C'est pour ça. Donc c'est cette formation-là que vous relevez. On va. En fait, du coup, au moment de l'inscription, on s'est mis en DU entrée, justement parce qu'on avait le mi-temps, et on a eu des mails tous de l'INSPE nous disant que justement, comme on avait le master, on est en approfondissement, mais voilà, on voulait la réponse parce qu'on ne sait pas si on est à la bonne réunion, du coup. Enfin voilà. Du coup, non. Ouais, c'est ça. La réunion c'est après, en fait, c'est pas grave, on va vous garder avec nous. Oui, et quant au fait qu'on vous propose un autre mi-temps ou je sais pas, bref, ça c'est pas de notre ressort. Le fait que pour le moment vous ne soyez que sur un poste à mi-temps ne relève pas d'une responsabilité, mais même on ne peut rien pour vous aider, sauf effectivement à revenir vers les collègues IA-IPR pour abonder dans votre sens, c'est-à-dire bien confirmer que vous avez bien un Master MEF et que de fait vous ne relevez pas de cette formation à mi-temps, mais de la formation à temps plein. D'accord. Merci. Alors, titulaire d'un Master Recherche d'une première année de Master MEF, des équivalences à obtenir. Ayant eu tout au long de l'année dernière des cours de didactique, valeurs de la République, etc. A priori, non. Parce que je pense que les cours de didactique seront vraiment des cours en prise avec, pas du tout avec le concours, mais avec, avec la classe. L'élaboration de séquences, de séances, d'apprentissage, par exemple. Hein. Et sur valeurs de la République, là, pour le coup, c'est pareil. C'est vraiment dans l'idée de l'intégrer de manière disciplinaire. Donc je pense que, certes, vous aurez déjà des éléments, mais ça sera un approfondissement, me semble-t-il. Hein. Donc non, pas d'équivalence. Question dans la salle. Je pense que ça recoupe un petit peu la question en webconférence que vous venez d'avoir. C'est qu'en fait, moi, en éco-gestion, j'ai des collègues qui sont également concernés par le fait d'avoir déjà un master 2 disciplinaire et d'avoir en plus suivi, là, sur la dernière année scolaire, un M1 MEF éco-gestion à Arras.
Du coup, on a passé 2 semestres complets à faire tous les vendredis après-midi sur droits et devoirs du citoyen, valeurs de la République, laïcité, etc. Ainsi que pas mal de cours de didactique appliquée. Du coup, je voulais savoir si on pouvait faire valoir les acquis de cette première année de formation pour être dispensé de certains des enseignements du DIU qui pourraient faire doublon avec ce qu'on a déjà suivi. Alors, je ne crois pas que ça puisse se faire doublon, hein, puisque entre les enseignements du M1 et là, les enseignements qui vous seront délivrés dans le cadre du DIU, on est sur des formations vraiment de nature très différente. Donc même si certains contenus sont ressemblent à des apports que vous avez déjà eus, vous allez travailler autrement avec d'autres perspectives qui sont celles de vos expériences de classe. Donc je ne crois pas que vous allez être dans la redite, très honnêtement. Et donc on va pas, ça nous est impossible de commencer à faire des petits bouts. Il y a une cohérence de formation dans la formation. On ne va pas faire une formation à la carte en se disant là, il y a déjà eu quelques heures qui ont été travaillées dans le cursus. Non. Et en plus, vous êtes payé en fait pour être en formation. Donc, on ne va pas vous dispenser de cette formation alors même que vous êtes rémunéré pour la faire. Donc, non, là, pour le coup, vous serez en formation avec les collègues et vous devrez faire preuve d'assiduité. C'est noté. Merci. Il me semble effectivement que, dans les propos que vient de tenir Madame Monfroy, le nœud, l'élément clé, c'est effectivement qu'à la différence du M1, où vous êtes parti en stage... 3 fois 15 jours, mais sur ces 3 fois 15 jours, 2 fois où il y a eu un avant-après cours, alors que la dernière période, vous n'avez pas eu de retour, hein, puisque la formation était terminée. Mais là, vous êtes en classe toutes les semaines. Donc, en fait, vous allez venir avec votre expérience de classe, des situations de classe concrètes qui seront les vôtres cette année. Et donc, en fait, ça va éclairer différemment les cours de l'année dernière, et de fait, et bien sûr, les valeurs de la République n'ont pas changé. Hein. Mais le regard que vous allez porter sur les cours de l'année dernière, en prise avec l'expérience de classe de cette année, en responsabilité, et plus en pratique accompagnée, avec les cours de cette année, il me semble que vous allez vous en emparer différemment, et que même, vous allez peut-être aussi, du coup, prendre conscience de votre... meilleure compréhension et montée en compétences au regard de ces connaissances-là qui vous ont été sur lesquelles vous avez déjà commencé à réfléchir l'année dernière. Donc il me semble que vous avez peut-être pris un peu d'avance, mais là vous allez vous sentir peut-être plus à l'aise. Et moi je trouve que quand on commence, se sentir un peu plus sûr sur 2-3 choses, c'est bien. Plutôt que de se sentir toujours en difficulté ou vous dire ça je sais pas, il faut que je travaille là-dessus. Donc faites-vous plaisir aussi. Dites-vous ça je sais déjà. Ça peut être bien. Une question dans sur l'écran, il n'est pas précisé dans les candidats, alors il y aurait une 7e possibilité. La formation pour les anciens professeurs des écoles. Alors, là, je vous invite vraiment à poser la question par mail sur inspe-parcoursadaptes@unif.fr, parce que de ce que je lis, me vient une autre question, c'est est-ce que vous êtes toujours professeur des écoles, détaché ou par concours interne, ou est-ce que vous avez démissionné en tant que professeur des écoles et vous avez repassé un autre concours, parce que la réponse n'est pas nécessairement la même. Et de fait, vous voyez qu'on entre là dans un grain qui est extrêmement individualisé. Et donc, si vous le souhaitez, je vous invite, Alexandra, à formuler votre question sur la boîte mail, qu'on mesure bien ce qu'il en est de votre situation particulière. Une question dans l'amphi ? Oui. Alors, pour la boîte mail de la boîte mail de l'INSPE, vu que je suis en double inscription parce que je suis en renouvellement, est-ce que ça va être la même ou est-ce qu'il faut que j'en réactive une autre ?
Ça va être la même. Ça va être la même, d'accord. Donc d'ailleurs, elle fonctionne toujours. Oui, elle fonctionne. Justement, je viens de vérifier, mais comme il y a aucune nouvelle information, Non, elle fonctionne encore, hein, donc pas de souci. Ce sera la même. Ok. Et ensuite, pour le portfolio de compétences, moi, l'année dernière, j'étais pas à l'INSPE de Lille, j'étais à l'INSPE d'Outreau, je suppose, vu que j'étais à Boulogne. Et comment ça va se passer? Est-ce qu'on va nous expliquer ça pendant les formations? Qu'est-ce qu'il va falloir faire dans ce portfolio? Ça fera partie des contenus de formation du séminaire de Trace, portfolio. Hein, donc ne soyez pas inquiets. Parce qu'on nous a beaucoup parlé l'année dernière sans vraiment nous expliquer ce qu'il fallait en faire. Et je vois pas trop le lien entre le portfolio, le dossier réflexif et le mémoire qui du coup va se faire en M2. Ah, vous devez valider, vous devez rendre votre, enfin, oui, soutenir votre mémoire. Donc. Je l'ai pas validé l'année dernière, c'est pour d'accord, ça que je suis en fait, de fait, c'est le M2 écoutez validé, pas le DIU. Donc vous ne devrez pas rendre le dossier réflexif. D'accord, donc que le mémoire, que, si on est en double inscription. Que c'est déjà bien. Oui, c'est déjà beaucoup. C'est un peu, voilà. Non, non, mais vous savez, nous sommes raisonnables. Hein. Oui, d'accord. Et surtout respectueux de votre charge de travail respective. Donc, sauf si vous voulez valider et le master et le DU. Oh, voilà. Hein. Mais de fait, non. Si vous avez le M2 à valider du fait du mémoire, pas de dossier réflexif professionnel, de développement professionnel. Et par contre, il faut quand même construire son portfolio pour faire ce... Non, pas du tout. Est-ce que vous avez validé votre oral de fin de formation? C'est-à-dire la soutenance du mémoire? L'oral de fin de formation. L'oral de fin de formation à la fin du S4. L'autre oral. Pas la soutenance du mémoire, l'autre. Je crois pas parce que j'ai juste été... Donc vous avez intérêt à faire un portfolio. Je crois que j'ai validé le S3 mais pas le S4, quelque chose comme ça. Et oui, du coup, le mémoire, ça va se faire ici à l'INSPE ou à l'Université de Lille. Comment ça va se passer, les cours de M2 en fait, par rapport aux cours de DIU? Alors, ne vous inquiétez pas, on va d'abord regarder, comme je le disais tout à l'heure, on va regarder votre parcours, hein, et en fonction de votre discipline et ainsi de suite, d'accord, on va regarder tout ça, et vous aurez un contrat pédagogique personnel, d'accord, nominatif. Okay. Donc ça va circuler pour les informations par mail avec la On reviendra vers vous, d'une manière ou d'une autre. D'ici, je dirais, mi-septembre. Ok. Hein, donc ne soyez pas inquiets. D'accord. Et du coup, je suis quand même concerné par le jeudi 8 la semaine prochaine à Visio pour avoir l'emploi du temps. On verra en fonction de ce que vous avez à suivre en DIU et en fonction du M2. D'accord. Si au final vous avez tout à suivre en M2, vous ne serez pas concerné. D'accord. Et on verra en fonction de l'analyse de votre parcours personnel. Ok. Oui. Alors déjà, en fait, je voulais savoir en vertu de quoi on dépend de tel ou tel INSPE. Parce que est-ce que c'est en fonction de son lieu de domicile ou alors est-ce que c'est en fonction de son lieu d'affectation? Parce que si le lieu d'affectation n'est pas tout près de son lieu de domicile, c'est pas... Vous voyez? Dans le second degré, vous avez, mis à part les CPE pour lesquels ça se passe à Villeneuve-d'Ascq, vous avez le choix entre Arras et Villeneuve-d'Ascq. D'accord? Vous avez le choix. Soit ce choix, vous le faites en fonction de votre lieu d'affectation, parce que vous vous dites, je vais rencontrer des collègues qui vont travailler dans le même établissement que moi, dans le même bassin, et du coup, peut-être que... Voilà, bon. Et vous faites le choix du site au regard du lieu d'affectation, soit vous faites le choix du site au regard du domicile. D'un autre côté, il n'y a quand même que deux lieux. Arras et Villeneuve-d'Ascq. Hein, donc il n'y en a pas non plus. Voilà. Oui, mais bon, il n'y a quand même que deux lieux. Oui, bon. Oui. Mais avec la petite réserve, quand même, que je redonne, qu'il n'est pas impossible que pour, notamment les formations disciplinaires, quand vous soyez regroupés académiquement dans un seul lieu, quelques mercredis, parce que, effectivement, vous n'êtes jamais 70 de la même discipline. Hein. Donc, on ne peut pas faire un groupe sur Arras, un groupe sur Villeneuve-d'Ascq, d'un point de vue disciplinaire. Donc, les formations du mercredi seront en regroupement académique dans un lieu qui sera peut-être différent de votre site d'affectation et peut-être, de fait, éloigné de votre domicile.
mais la majeure partie sera dans le site que vous aurez choisi. D'accord ? J'ai une dernière question. Je voulais savoir quel est le taux de titularisation à l'issue de l'année de stage. Est-ce qu'il est pratiquement à 100% ? Est-ce que... Alors ça, ce sont des propos que vous tiendront les doyens des inspecteurs mardi. En général, ça fait partie de leur discours de rentrée. Bon, je ne voudrais pas, marcher sur leur plate-bande, leur ôter ce plaisir. Mais sachez bien que nos objectifs à tous, c'est-à-dire aussi bien à vos inspecteurs qu'à vos chefs d'établissement, qu'à vous, qu'à nous. Sont un maximum de titularisation. On fera en sorte de vous accompagner au mieux pour réussir, évidemment. Une question en visio. J'ai passé le CAPLP via 5 ans d'expérience professionnelle. Oui, bien sûr. Suis-je bien concernée par le DIE entrée ? Oui, tout à fait. Effectivement. Un peu dans le même esprit que le troisième concours que j'évoquais tout à l'heure pour les personnes qui ont 5 ans d'expérience. Vous avez passé le CAPLP ordinaire, entre guillemets. Hein. Pas le troisième concours, mais oui, bien sûr. Les lycées de la métropole. Alors, les lycées de la métropole, ce sont les lycées dans lesquels vous êtes attendus. Les collèges, ou les lycées d'ailleurs, hein, puisque par exemple en maths, c'est le collège Makeba, donc c'est un collège. Les collèges ou les lycées de la métropole lilloise, dans laquelle vous êtes attendus demain pour la journée pédagogique avec les inspecteurs de vos disciplines respectives et les formateurs disciplinaires de vos disciplines respectives, en fonction de vos disciplines justement et des informations qui vous ont été communiquées par mail par le rectorat. Et le lien pour le guide, il est sur le site du rectorat, mais je crois que les guides ne sont pas encore en ligne, donc vous ne pouvez pas accéder au guide du ou de la stagiaire. Mais n'hésitez pas à rafraîchir régulièrement votre connexion au rectorat pour regarder si les guides ont été mis en ligne. Alors peut-être, effectivement, Thierry, est-ce peut-être parce que vous êtes en renouvellement que vous n'avez pas été invité demain, parce que vous avez déjà eu les informations l'année dernière ? Ce qui vaut peut-être aussi pour d'autres collègues qui seraient en renouvellement et qui n'auraient pas été, ou en prolongation, hein, et qui n'auraient pas été invités aux réunions avec les inspecteurs demain. C'est peut-être et sans doute parce qu'il est considéré que vous avez déjà eu ces informations l'année dernière. Attends, je vais te mettre sur haut-parleur. Tu es sur haut-parleur, Albin. Comme à la télé, avec un micro. Essaye de parler. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez ? Est-ce que vous entendez, monsieur Cacio ? Plus fort. Plus fort. Comment est-ce que mon pied me Voilà. Mon son, il est à fond. Bon, à toutes et à tous. J'ai essayé de répondre aux questions. Alors, je ne répondrai pas, comme l'a dit Daniel Dubois, sur le taux de réussite. J'en parlerai mardi. C'est pas forcément négatif. Simplement, effectivement, il y a un temps pour tout et on en parlera à ce moment-là. Voilà. Donc, en ce qui concerne les formations, tout le monde est attendu demain, sauf les psy-UN. Donc, si vous n'avez pas eu de document qui a été envoyé par l'EFC, vous êtes quand même attendu dans les établissements. La liste des établissements se trouve sur le site académique. L'adresse, je peux essayer de vous la donner, c'est donc www.ac-du6lille.fr/, ensuite, avec à chaque fois des tirets du 6, semaine d'accueil des professeurs stagiaires. Semaine d'accueil des professeurs stagiaires. Tiré du 6, 122-327.
Voilà, excusez-moi, j'ai un collègue qui m'a dit que la liste n'est pas sur le site et je suis exactement sur le site. Alors, donc, je sais qu'elle y est. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point concerne une question qui avait été posée, je crois, par un monsieur qui était documentaliste ou CPE, c'est ça ? Documentaliste. Donc, il est bien attendu, effectivement, dans un établissement de la région, collège ou lycée. Alors, la liste précise, je vais essayer de l'ouvrir en même temps. Théoriquement, un certain nombre d'entre vous, vous en avez déjà été destinataire. Oui, Albin, il a connaissance de l'établissement dans lequel, effectivement, les collègues sont attendus demain. D'accord. Donc, alors, attendez. Bien sûr, c'est quand on veut que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Dans le mémo qui a été envoyé par l'Académie en lien avec l'INSPE, vous avez l'organisation de la semaine d'accueil, qui est précisée du 25 au 31. Vous avez également un document qui précise le lieu, les gares de transport et le parking, qui est possible ou pas. Il est précisé que vous êtes entendu discipline par discipline, de 9h à 17h, dans chaque établissement, essentiellement de l'agglomération lilloise. On vous demande également, pour une raison de sécuriser, d'avoir une pièce d'identité. Et alors, on vous demande la version imprimée de votre mail d'invitation. Si vous ne l'avez pas, au moins la pièce d'identité, comme ça, les formateurs pourront vous accueillir. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je peux répondre immédiatement ? Oui, effectivement, eh ben, nous n'avions pas pris la liberté voilà, de dire à tout le monde, allez-y, allez-y. Oui, bien sûr, non, mais c'est en lien avec Michel Grossin. Et également, la question qui a été posée concernant les guides. À ce jour, ils ne sont pas encore en ligne. Ils sont en cours de finalisation et normalement, ça devrait être fait ce soir ou demain. Oui, en fait, je ne sais pas, Albin, si tu as entendu tout à l'heure. Nous avons trois fonctionnaires stagiaires de SVT qui oui. sont à mi-temps, hein, et donc présents ici avec nous cet après-midi. Et qui ont été affectés, enfin qui ont un master MEF hein, qu'ils ont obtenu l'an dernier et qui sont donc à mi-temps. D'accord. Comment ? Un MEF, oui. Un MEF en SVT. D'accord. Alors, je vais les inviter à se mettre en liaison avec l'inspecteur de la discipline, qui est le coordonnateur, d'accord, monsieur David Campagne. Donc, David.Campagne. @acetivalil.fr et également monsieur Grevet, Nicolas.Grevet, G-R-E-V-E-T, toujours @acetivalil.fr. Parallèlement, ils peuvent essayer aussi de mettre un mail à ce.dpe, @acetivalil.fr. Et on vérifiera. Quelle est la condition requise ou la raison pour laquelle il se trouve dans ce groupe. Merci. Voilà, je vous en prie. Désolé de cet aspect un peu artisanal. Et nous nous reverrons mardi en présence de Madame le recteur. Très bien. Merci. Et je parlerai des taux de réussite qui sont très bons. Voilà, pour vous rassurer tout de suite, ils sont très très bons. Merci beaucoup de cette intervention. Merci Edmond d'avoir appelé. Bonne journée, à bientôt, au revoir. S'il vous plaît. Donc, nous allons, comme, enfin, je crois que vous avez vu que les relations étroites entre les services académiques et l'INSPE se sont concrétisées par ce coup de téléphone, les bonnes relations. Et donc, pour autant, effectivement, je réponds à la dernière question ici de spectateur anonyme. Donc effectivement l'accueil institutionnel mardi c'est à la fois en présentiel si vous vous êtes porté volontaire
et que votre candidature a été retenue, ou ce sera aussi diffusé en visio, et vous disposez déjà, me semble-t-il, des liens pour effectivement participer à distance à cette journée institutionnelle riche et importante et utile. Merci de votre présence pour ceux qui étaient là, merci de votre présence pour ceux qui étaient à distance mais néanmoins réactifs par les questions que vous avez posées. Très belle rentrée, si nous ne nous revoyons pas d'ici là, nous aurons sans doute le plaisir de nous croiser sur tel ou tel site de formation, et je laisse ma collègue conclure. Hein, toute l'équipe de direction de l'INSP de l'Académie de l'Île-de-France vous souhaite une belle rentrée et une bonne année de fonctionnaire stagiaire, un bon stage et une belle formation en alternance. Voilà, belle rentrée à tous. Au revoir. Vous pouvez aller demain au collège Mariam Makeba. Du jeudi commence le 15 et les formations du mercredi peut-être dès le 7. Ok, d'accord, peut-être dès le 7. Et du coup, quand par exemple le jeudi 1er, qui est censé être donc le jour de la rentrée, même si on n'a pas cours, vous voyez ce qu'on dit, ouais, c'est pas parce que ça ressemble des implications des établissements. Certains demandent à ce que l'équipe ou des enseignants se présentent aux élèves. Ça dépend franchement des. Bon, j'attends le 31. Attendez de voir le 31. Peut-être que votre tutrice n'est pas le prof principal. Peut-être que vous en profiterez pour aller voir ce qu'il y a au centre de vie, au centre de ressources. Peut-être que. Carrément. J'en sais rien. Enfin, à mon avis, vous aurez des choses à faire dans votre venue jeudi. Hein, donc voilà. D'accord.
c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. En tout cas, donc, si j'ai rien le lundi, tant pis, entre guillemets. Bah non, vous n'allez pas... Non, si vous n'avez rien lundi, c'est pas de votre faute. Merci en tout cas. Vous serez titularisé quand même. Pas de panique. Hein. Merci, au revoir. En fait, on m'avait inscrit dans le mauvais DU parce que j'étais marquée à 100% sur mon papier d'affectation. Donc là, on m'avait bien basculé en entrée dans le métier et il me dit que... Thank you.
Je fais une bêtise. En voulant basculer. J'ai appuyé sur on en me disant ça va basculer, mais non, ça n'a pas basculé. Ça lance aussi, t'as mis dans le bout, c'est ah. Celui-là, c'est. D'accord. Désolé. Il n'y a pas de soucis. Comme à la télé. Ah, c'était plus télé. Je t'ai appuyé. Comme à la télé. Oh, les micros, oui. Non, là, c'est exceptionnel, la fondation. Mais j'y ai pensé à un appui là-bas. J'ai dit, là, j'ai prochain patient. Il a tout le En fait, ce qui m'a troublé, c'est comme tu m'avais dit qu'en fait les concours internes, ils étaient. C'était écrit. C'est écrit. Donc, moi, je suis.